Bonjour à tous, c'est Saren, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un duel au sommet. Yeah. Aujourd'hui, il n'y a pas de grenier, on vous le réexplique très rapidement, on vous l'a déjà dit dans les lives. En fait, ce qui se passe, c'est que le court-métrage nous demande pas mal de temps. D'ailleurs, on en a tourné une partie là tout à l'heure et c'est pas mal. On en revient. C'est pas mal. Donc il y a du boulot encore pendant une semaine pour vous faire un court-métrage cool. Donc forcément, le vide-grenier sortira dimanche prochain. Donc, comme on vous l'avait déjà dit, c'est possible qu'entre les vide-greniers, il y ait deux semaines comme ça. Bon. C'est pas grave, la qualité est là, donc vous êtes contents, et vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, donc ça fait plaisir. Nous avons fait un live vendredi soir, c'est ça? Oui, tout à fait, comme tous les vendredis soirs, d'ailleurs on vous invite à y aller, dans le live sur South Park en ce moment. Oui. Et du coup, dans ce live, on vous avait demandé ce que vous aimeriez à la place, forcément, de ce vide-grenier. Il y avait le courrier d'abonnés que vous avez eu tout à l'heure, qui était plutôt cool, mais vous nous avez demandé en plus, voilà, de faire peut-être un duel. C'est Black Brocante qui a proposé ça, un duel sur un jeu vidéo. Et donc, qui dit duel dit jeu de combat, et donc qui dit jeu de combat en ce moment, c'est Justice League, donc ça va être Injustice, forcément. Mais le 1. Donc on se retrouve tout de suite dans le jeu. Nous voici sur le menu de Injustice, un menu magnifique. Nous allons faire un match en 3 rounds. 3 rounds de gagnants, non pas du tout, 3 rounds de gagnants, non c'est pas un second, je sais plus, mais 3 rounds quoi, en gros, 3 rounds, voilà. 3 rounds, si, on dit 3 rounds gagnants, il faut en gagner 3 pour gagner, c'est ça, oui c'est ça. En versus, on prend les personnages qu'on veut, on s'est entraîné un peu avant, donc on a un peu machiné nos personnages. On n'a pas le droit de reprendre un perso quand on gagne avec. Exactement, ce qui est logique, c'est ça. Et on essaye aussi, sauf si vraiment on est en position de faiblesse de port, de ne pas reprendre le même perso même si on a perdu avec. Essayer de varier aussi un peu. Bon, après, c'est surtout le gagnant. Si, tu vois, je gagne avec Nightwing, comme c'est logique, et ben je le reprends pas parce que sinon c'est un round facile. Ouais, c'est exactement ça. Et je vais commencer par... quelqu'un, en fait. Je vais commencer par Green Arrow. Green Arrow. Allez, un match de jantes ouvertes, super. C'est ça. Où est-ce qu'on va faire ça? Atlantis? Non, bah non. Okay. À Green Arrow, qu'est-ce qui correspond à Green Arrow? Je sais pas. Il y a peut-être rien. Hein, ça. Allez, Themyscira qui fait plus ça, un truc un peu. Ça, c'est plus. Wonder Woman, en tout cas. Oui, ça. Oui, c'est clairement Wonder Woman. Clairement Wonder Woman, avec les glaives, les boucliers, les têtes de lion. Clairement Wonder Woman. Bon, à vos pronostics dans les commentaires, qui va gagner? Bon, c'est clairement moi, mais bon, ça après. Voilà quoi, on peut le dire. Bon, moi, j'arrive pas trop à jouer avec les décors. Ça, c'est ce que j'ai pas réussi une seule fois dans ce jeu à lancer les trucs sur les gens. Non, je. C'est R ou quelque chose R1 R1. Mais ça s'affiche à l'écran. Ouais, mais j'ai pas le temps de voir, je te jure. Ok, ok. RB, oh putain, je peux tirer des flèches, ok. Joli, joli. J'essaie encore, je l'apprivoise. Ouais, moi aussi. Là, je t'avoue que. Ça se voit, hein, parce qu'on se touche. Ouais, on se touche pas du tout. Ah, c'est rare, quoi. Ah putain, fais chier avec ces flèches. Eh, mais je ne fais que voler, regardez-moi. Mais vas-y, mais arrête, t'as ton. Comment ça? Oh la vache! Ah merde, hein. Vas-y! C'est comment ça s'appelle? C'est une masse d'armes, je crois. Oui, c'est ça. Une massue. Non, une masse d'armes. Arrête de voler, putain! Moi aussi, je peux voler, regarde. Vas-y. Et j'ai l'air d'un con quand je vole. Regarde-moi ça! Wouah! Tout ce que j'ai fait? Oui. Mais c'est ce que tu m'as fait tout à l'heure. Celle-là, c'est pour toi. Bah oui, merci. Ah, t'es chiant! Bah mais c'est mon d'attaque! Qu'est-ce que j'ai. On a d'autres! Putain, mais j'ai encore fait. Attends, on est vraiment à égalité au niveau de des points de vue, c'est vraiment cool. Oh ouais. Par contre, je vous avoue que je fais pas vraiment exprès hein, des fois, hein. Je fais des trucs non, genre. Mais c'est vrai, ouais. Tu vois ça, je sais, je pensais pas, c'est pas la même touche que j'ai fait. Mais arrête de faire ton zoom zoom, on dirait, on dirait qu'il fait du hand spinner le mec. Hein non mais c'est bon. C'est ça. J'allais vous dire, mais ils n'ont aucune technique, ce n'est pas possible. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Oh, elle se fait mal à la main. Non, le décor. Mais... Non! Merde! Ça pique pas vrai! Ça pique pas vrai! Ah putain! Yeah, non, c'est bon! Oui! Non! Non! Oh putain, t'as trop géré! T'as trop géré ta mère! Vas-y, essaye! Normalement, je saute! Ah, oui! Putain, c'est bon! Putain, on a tous les deux nos outils, on est trop pas fort, c'est trop cool! Et je propose pour le final round, oui, avant que quelqu'un gagne en gros, et bah qu'on n'ait pas le droit aux ultis. Ok, ouais. Ça me va. C'est un peu le cheat de ce jeu, on peut dire. Bah, ça permet de remonter quand t'es en position de faiblesse, quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que quand t'es en position de force, du coup. Ah, t'es en train de me démonter, c'est pas. Oh non! C'est quoi ce truc que tu m'as fait? Tu m'as pété le cou, ça se fait pas du tout! Ça se fait pas de péter le cou, j'ai rien fait! Ah, je suis mort, moi j'avoue que
Ogre est un peu pété. Ah, je l'aime bien, ouais. Elle est, en fait, elle porte des coups assez puissants avec sa massue. Ouais, ouais, la massue est cool, ouais. J'aime bien, ouais. J'aime bien, ouais. Après, ce qui est cool avec Green Arrow, c'est les attaques à distance, clairement. Mais bon, après, ça fait pas mal du tout. T'as fait rouge, ouais. Mais je peux pas faire A, moi. Mais non. Mais si, t'as fait rouge, ouais, en fait. T'as fait A. Ah, c'est bon. Ah, si ça a voté pour toi. Rejouer... Non, non, mais si quelqu'un dit. Oui, changer le machin. Donc, toi, tu as plus le droit du coup de prendre machin. Et moi, forcément, je prends Nightwing juste pour t'emmerder. Parce que j'adore Nightwing. Et ben, je vais prendre Harley Quinn. Oh, en plus, contre Harley Quinn, au niveau de l'histoire, c'est un peu logique. Ouais. Je sais pas, il y a une logique pour moi, vu que c'est un peu l'ennemi de Batman, ouais, que ouais, lui, ouais. Il est de Batman. Yes. Ouais, genre. Donc, tu veux aller dans le manoir de Wayne, quoi. Ouais, la nuit. Donc, 1-0 pour Sandar, hein, je vous rappelle. Oui, du coup. Donc, on va essayer de faire un 1-1. Ça me ferait un peu chier si je suis à 2-1. Si je suis à 2-0, pardon, je vais laisser gagner. Ça, c'est bien la phrase. Pour s'y épair, elle dit, ouais, je t'ai laissé gagner. Ça, c'est clair et net. Non, mais parce que si c'est 2-0, j'ai trop la pression, t'es ouf. Merde, putain, désolé. T'as osé faire ça. En même temps, c'est Nightwing. Oh, joli. C'était quoi ce... C'est mon ongle qui a rippé sur la manette, okay. J'ai entendu un bruit de manette, c'est n'importe quoi, ça fait juste... Ah merde. Joli. Ah, le bâton de merde, hein. Ouais, il me fait chier. Elle a aucune portée. En plus. Pseudo ouais. Batman, elle lui a dit. Ah ouais, c'est marrant. Oh... Ah merde. Un petit coup de... Un marteau, ouais. Enfin, en plus, je t'enchaîne en mode... Oh, oh non. Oh, ouais, ouais, j'avoue que. Non, mais en même temps, Nightwing, Nightwing c'est trop facile. J'avoue que c'est un peu la sécurité, mais en même temps, je voulais égaliser, ouais, j'avoue, ouais. Bon, voilà. J'avoue que c'est pas le perso vraiment très classe pour battre les autres. Oh putain, oh c'est beau. Non, tu te calmes déjà, je t'ai pas demandé de me foutre des coups. Tu calmes, Denis. Oh la vache, oh la vache. J'avoue que je m'y attendais pas. Il est joli son habitude, ouais, j'aime bien. En plus, il fait l'hélicoptère. Avec sa bite. T'as vu Nightwing? Mais non, mais arrête de faire ça. Bah, j'ai pas d'autre attaque. Non, en pas fait, toi, je pas toi. Ah, d'accord. Oh! C'est trop beau ce que je fais. Oh, bâtard. Bon, bah voilà. Oh, j'ai gagné avec vraiment. Par contre, j'ai gagné avec un round. Ouais. Un round en cours. Mais bon, c'est Nightwing. Non, mais j'ai un petit peu bugué à la fin, faut le dire. Ouais, t'es là, merde, pas B, B. Oui. Parce que le B, c'est son fameux. Avec les cœurs. Et du coup, c'est chiant. Parce ça que sert coup, à quoi? Et bah, je sais plus, mais ça doit faire un truc, quoi. T'as un combo à faire derrière. Et du coup, bah, c'est hyper chiant que tu le fais et que t'es en plein combat. Parce que du coup, tu te fais taper. B, ouais. Ouais, du coup, bon, alors, je n'ai plus le droit de prendre Nightwing, du principe. Ouais. Donc. Par contre, je peux reprendre Harley Quinn si je veux. Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon. Mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour vous, mais pourquoi pas après. Je t'empêche pas. Donc 2-2, voilà. On est un... Oh, je vais la tester. Non, on est à 1-1. 1-1, pardon. Putain, j'ai du mal. Comment elle est? Tu veux qu'on prenne des personnages qu'on connaît pas? Ouais. Ça, c'est le mec de pour moi de machin là. De lui, on dirait machin, Scorpion. Ah, de Scorpion, mais si, c'est lui. Ah, c'est lui, de machin, ouais, d'accord. De okay. Mortal Kombat. Ouais. Mortal Kombat, ouais, c'est en ça. En fait, voilà. On a l'Ultimate Edition avec les personnages débloqués. Et donc, il y a c'est donc ça dans Scorpion. Ah, tiens, je vais prendre Raven, j'aime beaucoup ce héros. Oui, je sais pas ce qu'il va faire. Il est pété aussi. Ah, je connais pas du tout. Et ah, je sais plus. Donc, On va voir. Donc, on vous rappelle 1-1. Et on vous rappelle qu'il y a un gage à faire. Un gage qu'on vous dévoilera oui, à la vrai. Fin. Est-ce qu'on l'a dit oui. Non, on ne l'a pas dit, je crois pas. Je ne sais pas, mais il y a un gage. Il y a un gage. Parce que Rémi nous a trouvé une idée de gage vraiment cool. Ouais. On vous le dira à la fin. Exactement. Le gage à la fin. Oh, ah oui, bah je vais y Raven, le corbeau. Il faut un corbeau. Qu'est-ce que vous êtes imbécile. Ok. Toujours aussi agréable. Moi je viens avec le froid. Voilà, qui leur pousse très très lent. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. C'est moi. Mais non, arrête. Mais qu'est-ce qu'il fait en même temps l'autre là aussi, moi? Le personnage il fait des trucs en l'air, genre. Ça sert à rien. Mais elle fout que des coups en fait elle, je pensais qu'elle jouerait plus avec les énergies en fait. Je crois que pour moi c'est une meuf qui a du violet autour d'elle à fond. Mais arrête de sauter putain, c'est chiant. Ça c'est l'habitude de jouer avec des sticks d'arcade. Ah ouais, c'est violent quand même.
L'habitude en fait de jouer avec des sticks d'arcade fait que les joysticks me font... J'ai tendance beaucoup à aller vers le haut et dans ce jeu quand tu vas vers le haut tu sautes. Et donc forcément c'est un peu casse-couille, je suis désolé, je fais un peu le lapin mais je ne fais pas du tout exprès. Alors sinon je vais me mettre vers le bas. Ouais, attends, ouais. Non bah j'ai essayé. J'arrive pas. Non, t'arrives pas à ce perso. J'avoue que là... Tu dis s'il faut une pause hein, si t'as mal à la main. Ah bah non. Parce qu'il faut savoir que Sandar il donne des excuses comme ça. Il dit j'ai mal à la main. Est-ce que moi je dis que j'ai mal au cul? Bon j'avoue que là par contre t'arrives à rien là. Oh, c'est un peu de soupir. Ulti ça? Ouais, j'ai super. Bah doucement sur les manettes, y'a pas besoin d'appuyer fort. C'est pas le fait d'appuyer fort. C'est elle est trop grande pour mes mains en fait. Non mais arrête de sauter par contre, c'est insupportable. Franchement c'est chiant, je ne supporte pas les gens qui font ça. Et je fais pas exprès en fait. Oui bah... Moi je ne fais pas que de sauter. Mais mince, parce que t'as l'habitude de jouer à la manette. Moi je joue pas la manette en jeu de combat. Non mais tu vas vers là. Vers mais non, quand je fais ça en fait ça va un peu vers le haut. Sinon je fais ça, ça va vers le bas. En fait j'arrive pas avec ma... Tu vois, quand je fais ma main, ça fait ça. Tout le temps. Mm. Et j'arrive pas. Mais il se trouve des excuses. Mais non, je n'arrive pas, je fais que sauter. Donc 2-1 pour moi. J'aime pas Raven. J'aime pas Raven. Et de toute façon j'ai plus le droit de la prendre. Ah, Catwoman, sympa. Mm. Je vais prendre... Batgirl, tiens. Batgirl contre Catwoman, ça peut être intéressant. C'est sympa. J'aime bien. On va aller du coup... Manoir Wen de nuit. Ah on l'a fait déjà. Ah, je trouve que c'est Manoir Wen qu'on avait fait tout court. Non, de nuit. Oh... Du coup, on ne comprend pas ce qu'on a déjà fait, voilà. Ah oui. C'est bien d'être sélectionné. Ouais. J'avais pas vu. Ah bah oui. Est-ce que ça a l'air d'être le Wen? C'est quoi du coup le... C'est juste ce que j'ai fait. Ok. C'est quoi du coup? Enfin, c'est pas, on dirait le tour de Mister. Tu n'as aucune chance. Continue sans moi. J'ai d'autres chats. J'ai d'autres chats fouettés. Non mais sérieusement. Son corset est tellement clair. Arrête. Tu vois là, je saute. Sinon, je suis en bas. T'as un problème, faut que t'apprennes la scène industrielle. Mais j'arrive pas. Hein. Oh, mais c'est méchant de me griffer le visage comme ça. Oh là 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 là! C'est quoi ça? On dirait un combat de boxe! C'est du coup quand je saute pas moi. Et tu me fais tout le temps ce truc là, c'est trop marrant! Ah oui, c'est le même! Ouais, c'est le même, c'est marrant! Comment elle m'enchaîne? Lucine. Loupé. Tiens-moi ça. Ah non. Oh, mais... Ouais. Genre, alors ouais, là, franchement, peu, ouais. Je l'ai fait en l'air. Hein. Ouais. C'est n'importe quoi. Hein. Toi, t'étais en bas, d'accord? Mais moi, j'étais en l'air, donc c'est n'importe quoi. Bon. Mais parce que j'ai fait une attaque, je pense, c'est pour ça. Ah, t'as pas fait une parade et du coup, ça ne veut pas plus le jeu. Le jeu a dit. Non, non, mais attendez, vous calmez. Oh, la patate, elle était violente ou c'est ouais. Moi? Non, mais c'est vrai, c'est parce que. Ah, parce que c'était la fin de round. Oh, bien joué. Oh, bien joué aussi. C'est le mec qui se complimente. Oh, joli. Joli, joli, joli. Joli. J'ai trop été à tous. Ah, joli, joli, joli. Attends, je suis à 2 moi. Et toi, t'es à 1. J'avais pas le droit d'utiliser mon ulti normalement. Ah oui. Et je l'ai... Bah, de toute façon, je l'ai foiré. Ah non, je l'ai pas foiré. Non. Ah bah, j'avoue que c'est pas cool. Désolé. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Non. Ça va la téléportation, tranquille, au calme? Que se passe-t-il? Mais pourquoi me téléportais-je? I don't comprendre. Oh, ça salope, tu t'es mis juste derrière moi. Putain! Non! Non! C'est trop pas juste. C'est bien joué. Il y avait 5 minutes. J'y croyais pas. Tu m'étonnes. T'as fait genre un coup de... J'ai pas. Oh, voilà, t'as gagné. J'ai gagné en vrai. Bah oui. Du coup. Mais après t'as utilisé ton ulti. Ouais, je sais, j'avoue. J'avoue, mais j'ai... Je sais pas, j'ai...
Moi, je t'avoue qu'après, je dis ça, mais tu vois, je pensais aussi que c'était genre si on était à 2-2, tu vois. Genre le dernier, on ne dit pas d'ulti. J'ai cru que t'avais un peu dit ça aussi, quoi. J'avais pas tilté avant. Oui, je sais, avant le dernier. Ouais, mais c'était pas facile. Ah, est-ce que tu refuses la victoire? Non. Non, mais dis-le. Si tu veux vraiment être méchant, tu peux refuser la victoire. Si vraiment t'as pas envie de te déguiser en quelque chose. Non, je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Donc, j'ai gagné. Ah oui, t'as gagné. Ok. Bon, bah j'ai gagné. Donc. Mais s'il a triché, il faut le dire. Non, mais j'ai triché. Non, mais c'est alors pas... qu'on avait dit qu'on n'utilisait pas. Mais... Vous êtes vraiment méchants, tous les gens. Je n'ai pas fait exprès. Bon, les gens. Voilà, c'est... J'ai gagné. Bon, qu'est-ce qui se passe si je gagne? En fait, voilà. Monsieur Rémi nous avait dit un gage au perdant. C'est sympa, et du coup, Le gage va être plutôt cool. En fait, le gage nous a dit vous déguisez en quelqu'un, en quelque chose, en ce que l'autre décide, pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo dans laquelle tu seras, ce sera l'ouverture. Oui, du coup. Qui sera du coup une ouverture de peuple. Oui, du coup. Ça va être sympa. Je sais pas encore. Alors, je vais te copier, parce que tu avais déjà émis cette idée hors caméra. Je vais vous faire participer, les gens. Vous allez dire dans les commentaires... Ils vont tous dire en prostituée. Mais bien sûr, vous allez dire en commentaire en quoi vous voulez que se déguise Sandra, en call girl. J'en tiendrai pas forcément compte. En fait, j'ai des petites idées, mais voilà. Donc ce sera un espèce de petit vote entre vous, entre moi et tout le monde pour savoir en quoi sera déguisé Sansan la prochaine fois. Ouais. Et sachez que du coup, c'est plutôt sympa ce concept, donc on le refera peut-être. Et celui qui perd choisit le jeu. C'est un peu le copie rumble, du Rumble de... Le Rumble c'est ça. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on copie. Hein, gentiment. Nous sommes une petite chaîne, on a le droit. Exactement, on fait hommage. Donc du coup, le prochain jeu, pour le duel, c'est toi qui le choisiras. Donc ce sera peut-être le même, d'ailleurs, si tu veux dire, ouais, mais moi, une justice, je veux ma revanche. Ou ce sera peut-être un autre. Et puis du coup, on verra qui c'est qui va chanter. Bon, en tout cas, c'est mais sympa. Je sais déjà quel jeu je vais prendre, c'est logique. Je vais prendre un Puyo, tu vas faire. Non Puyo, je suis nul. Puyo Tetris là et tout, Puyo, je suis nul. Bon bah, ok, ce sera peut-être ça. En tout cas, c'était bien cool. En plus, c'était vachement serré, c'était cool. Ouais, un peu déçu du coup de pas avoir fait 2-2. 2-2, ouais. Mais bon, après, on n'est pas à la télé, tu vois, on fait pas genre 1-1, 2-2. Mais bon, après, j'avoue que t'aurais dû gagner le dernier, c'était vraiment un poil. T'étais vraiment en position, genre, mais il me restait ça. Et puis, je t'ai mis à ça. Et puis après, il nous restait. Ah, c'était bien. Franchement, c'était cool. C'était intense. C'était intense. Et au moins, ça. T'as un truc parce que là, j'ai trop mal. Parce que les manettes. Regardez par rapport à la taille de ma main. C'est des manettes de Xbox, c'est trop bien. Oui, mais c'est trop gros quoi, par rapport à la taille de ma main. Il faut quoi ça me fait, ça pourquoi t'as pas rangé une manette de PS3? La prochaine fois, on va ranger une manette de PS3. Oui, parce que les PS3 sont plus. Ouais, c'est mieux. Ok. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. J'espère que ce petit duel vous a plu. Nous, c'était sympa. On a bien aimé le faire. Ouais, voilà. Cool. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, le vide-grenier, c'est dimanche prochain. Et sinon, ce sera vendredi prochain pour le découverte de Yeux. Yeah. Ciao tout le monde. Salut.